Ouais, c'est chaud. Bah, tu le vois déjà, tu le vois. Ouai. Le petit camembert fondu aux herbes. 4h du mat. Oui, ça va, frère. Ça va. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper excité aujourd'hui à l'idée de vous proposer ce projet. Aujourd'hui, tout simplement, on va partir en skate trip pour la vidéo des 5000 abonnés. D'ailleurs, merci beaucoup à vous. C'est un truc de fou. La chaîne, elle grandit de ouf. Et je prends énormément de plaisir à vous offrir du contenu. Le principe de cette vidéo, c'était de vous montrer aussi que, ok, on fait des vidéos de sessions classiques, mais on peut également aussi vous proposer des projets un peu plus poussés. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on part 2 jours en trip en Île-de-France. On prend juste la caisse. On va même dormir dans la forêt. On va essayer de trouver des street spots. On a trouvé un petit endroit pour finir la journée sur un skatepark et tout. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, les gars. Merci encore pour les 5000. On aura le temps de discuter aujourd'hui, mais du coup, je vais vous présenter déjà qu'est-ce que j'ai pris dans la Gova. De la voiture, des habits. Ça, c'est des habits chauds puisqu'on va dormir dehors. Ensuite, la board, le trépied, chaussures de rechange, une board de rechange. D'ailleurs, c'est la marque. Merci Skateboard qui me l'a filé. Juste là, tu arrêtes, tu stoppes la vidéo, tu vas sur mon Instagram, FXBrio au chinois fou. Il y a un concours Insta en collaboration avec la marque Merci Skateboard avec un lot de ouf à gagner. T'as juste à taguer 2 potes en commentaire, c'est hyper simple. Une board, un grip et une wax Merci Skateboard à gagner sur Insta, les gars, pour les 5000. Juste allez vous régaler, allez checker, allez participer au concours. Merci beaucoup à cette marque qui nous soutient du coup pour ce projet. Du coup, pour finir, du coup, la board, ça on en a déjà parlé. Mais bien sûr, quand on part en trip, hyper important d'avoir des trucs de rechange, de la wax, des roulements, enfin bref. Également tout ce qui est matos pour filmer. On a 2 batteries externes dont un stabilisateur, une GoPro, des câbles en tout genre, prise allume-cigare, je la prends d'ailleurs, et une petite wax Merci Skateboard. On va dormir dehors, du coup j'ai pris des duvets, mais on va également se faire un petit barbecue soir. Du coup on a une grille de barbecue et du papier journal. Je crois qu'on peut y aller. Je vais tout de suite chercher Cyril, on se retrouve là-bas. J'espère honnêtement que vous allez kiffer cette vidéo, on y a mis tout notre cœur. Ciao les gars. Les gars, c'est bon, je suis arrivé là où est Cyril, on va le récupérer. Juste les gars, je le demande pas souvent, mais si vous pouvez envoyer un max de force pour ce projet, ça prend énormément de temps, que ce soit en organisation, en montage. Si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à envoyer un max de likes, petits commentaires aussi. Merci beaucoup les gars. L'ancien, ah le ref, il est là, il a tout le matos, il va nous présenter. Il fait putain de beau les gars aujourd'hui. Alors t'as pris quoi toi? Moi j'ai pris la board classique. Même si voilà, j'ai pas l'habitude de péter mes boards. Mais au cas où. Les trousses de toilette, des cartes, des gobelets. Ah j'avoue, j'avais pas pensé aux cartes. Casserole mon pote pour le café, une enceinte. Du Nutella. Du Nutella, du café mon pote, tous les roulements qu'il faut. Du coup les gars, on est avec 6, on part en gros skate trip comme je vous ai dit au début. Ça va être énervé, j'espère que vous allez kiffer. On sait pas trop où on va aller, on pensait aller peut-être à Saint-Quentin voir du street un peu au début. C'est parti les reins. Le plan GoPro, on a le truc. C'est dingue, t'as eu un duvet. Bah ouais, duvet mec, parce que mon pote il m'a planté pour le duvet. Ouais, j'ai 2 duvets, t'inquiète. T'inquiète, mon ref. Tu vas appeler Nathan, voir dans quel. Parce qu'il y a peut-être Nathan qui va nous rejoindre, les gars. Peut-être pas dormir avec nous, mais il va peut-être nous rejoindre sur la journée d'aujourd'hui. Wesh, ça va? Ouais, toi? Ouais, t'es chaud? Vas-y, sinon on se dit Sky, on commence à Sky, comme ça on se rejoint à Sky. On commence la session à Sky. On se rejoint à la bibliothèque universitaire. Bah nous on va être à Sky dans 20 minutes quoi. On y va direct. Vas-y, à toutes les gars. Vas-y gros, à toutes. Du coup on commence par Saint-Quentin en Yvelines, ouais. Je crois qu'il y a plein de spots, on n'y est jamais allé. Donc j'espère qu'on va trouver des petits spots. Hein. Vas-y, c'est parti, hein. 17 minutes, bah nickel. Yeah. Putain mec, le temps qu'on a mec, c'est une dinguerie les gars. Bon là on est en direct avec Chinois Fou, on part de Vélizy, direction Saint-Quentin en Yvelines, on va péter Nathan. On va trouver les premiers spots les gars de la vidéo, hein. Ça part sur du street au début. Et en gros on a trouvé un petit parc pour se poser fin de journée, tellement la jolie à Gargenville. Dis-toi mec, je me suis levé ce matin mec à 8h30 mec. Mais gros, je savais, qu'est-ce que tu crois? T'es sûr mec? Putain, le dérush là, je suis pas prêt. Ah ouais? Ouais, tu le vois déjà, tu le vois déjà les 10 minutes là alors qu'on a rien fait encore. Ok, bah on va prendre les bornes les gars. On est arrivé à la bibliothèque universitaire de Saint-Quentin, il y a quelques spots déjà, et après on va bouger dans la ville pour chercher d'autres spots. Bien quoi? Non, mon gars. Tu mets ton bac toi? Vas-y, je te prends ton bac. T'es chaud mec? Eh Cyril, on fait une line, flip ici, un beau flip, et après bac là-bas. Vas-y ma gueule. Allez. Oh non. You got this bro. Non.
première line de la vidéo, les gars. Yes. Démarche. Première line de la journée, les mecs. C'est très. Il faut que je prends la bague et suis joli sur les deux marches. Les gars, on s'est posé un peu sur la bibliothèque universitaire. Il y avait quelques spots. Là, on va barouder un peu dans le centre-ville pour essayer de trouver d'autres trucs. Bon, tu te sens comment aujourd'hui là? Je le sens bien, franchement lourd. J'ai mis ce que je voulais sur le gap. J'ai hâte de trouver d'autres spots et faire encore mieux là. T'es pas un temps de malade là aujourd'hui? Ça fait plaisir. Hein. T'es pas comment il est pressé là, le Cyril. Là, Cyril a trouvé un petit spot, il y a ça à passer et des plaques après. Ya! Let's go! Vas-y, maintenant flip! Bah alors, ça met le transfert des loges et dès que ça passe en street, ça bégaye. Ah gros, tu l'as aussi mec. C'est exactement pour ça qu'on fait des vidéos, trouver des petits spots comme ça qu'on peut rider. Dédicace au frère Austin, je vais le tester en bac. C'est vraiment cool ce genre de spot parce qu'il faut s'engager un maximum. Donc vas-y, on va voir ce que Cyril peut faire dessus. Allez là! Oui! Bon les gars, on a tous mis notre flip. C'était incroyable, il était grave beau. Moi je vais me mettre sur le tri. C'est exactement le genre de spot qu'on cherchait en vrai. Vraiment. Bien wesh les gars. Bon les gars, je sais pas ce que vous avez pensé de ce petit spot. Moi je suis plutôt content. Bon allez, on se casse de Saint-Quentin, c'était cool hein. Vas-y, on fera une autre vidéo, on y retournera parce que je suis sûr qu'on n'a pas exploité cette ville. Ah putain, la journée qui commence tellement bien. Ok, je vais changer les batteries juste. C'est les courses là. Bon vas-y, on se prend combien de canettes par personne déjà? Moi je prends une DSP. Je pense 4 par personne, c'est pas mal. Je vais me prendre un Monster Munch. T'es un peu déçu Nathan? Non, franchement ça va, après je connais pas justement, on va découvrir tout ça les gars. Petite kékette, tu veux une petite kékette ou quoi? Bah la petite kékette en même temps, toi t'aimes bien le nom. Tu veux lui ou pas Cyril, il est cool. T'aimes bien la fin? 10,50, t'es bien rempli, t'en as 12. Attends, on va choisir le packaging les frérots. Lui là ouais. Il est un peu authentique. Ouais. Vas-y on va à la caisse mec.
C'est quoi du coup là les dingues là qui va se passer là maintenant? Les dingues, bon bah déjà 14h15 à peu près là, 14h30, 14h22 mon pote. On va aller essayer le petit gap sur l'herbe. On va manger des sushis surtout, ouais. Ah les sushis, ouais, sushis, bière. En grosse pause, on est déjà bien charbonné ce matin. Petit moment détente dans le parking du Leclerc, il y a des petits spots. Après on va se barrer. Et voilà, là on prend un peu de temps pour nous aussi. Mettre des dingues, des grosses dingues. Les dingues. Hey Cyril, tu vas me péter en out? Je te défonce vite fait. A few moments later. Je viens de taper FX en out. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Eh l'élan, il est cramé hein. C'est quand même long hein. Une petite quéquette pour moi. Aux 5000 abonnés les gars. Voilà gros. Voilà. J'ai trinqué avec le frérot Nathan à la voûte, tous 5000 abonnés. Ouais, merci carré. On va aller chercher du pain pour ce soir, pour le barbecue et tout. On a pris plein de trucs pour le camping. Et après, on va aller au skatepark de Gargenville, les gars. Je crois que c'est un skatepark assez street et tout, donc c'est assez cool. Bon, le ref est croué là. On va aller chercher du pain là. Du pain pour le barbecue là. On a mis combien de temps il est à Gargen là? Là, on va mettre 30 minutes. Hein. Et ça va, on est encore frais là pour la session là-bas. Ouais, calme. Il y a l'autre ref écroué là-bas qui est en train de faire de l'essence. Et après, on s'arrache. Comment ça s'est passé l'organisation de ce trip? Je dis à Cyril, mon gars, pour faire un truc pour les 5K et tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voulais faire le truc avec l'équipe entière, mais là il y a Sten qui est blessé, il y a Tim qui est en Allemagne. Donc on s'est dit, vas-y, bah, on prend la Gova, on va en Ile-de-France. Je lui dis, cherche-moi des spots. Le ref, il va sur son petit Google, il trouve un bête de skatepark à côté d'une forêt et tout, ça va être énervé. Franchement, on va faire une grosse session là, on va arriver là-bas vers 15h45, je pense. Grosse session de 2h là-bas. Mais en route, il y a Nathan dans l'autre Gova, on s'est perdu, mais il va nous rejoindre et ça va être lourd, on va faire du sale. Qu'est-ce qu'on fait comme putain de dinguerie au 10K les gars? Je sais pas si on y arrivera, je ne sais pas. Gargenville! Où est-ce que tu m'emmènes? Je savais pas que ton département c'était que des champs, frère. Où est-ce que tu m'emmènes, gros là? Dans le 7-8, y'a pas que des champs! Et bah si, frère. Putain, y'a une petite rivière là. Bah, c'est la Seine, frère. La Seine. Oh, puis la Seine ici, elle est mignonne. Vas-y, moi je pensais trop le trip, on allait pouvoir rouler, s'arrêter, trouver un spot. C'est chaud en fait. Hein. Déjà, niveau temps, impossible de faire full activité. Mais vas-y, y'a rien en fait. Il n'y a que du vieux béton des années 90, ils aimaient trop ça, ce macadam. Ouais. Si vous avez grandi en France, c'est obligé, vous connaissez ce macadam qui ne roule pas là, dégueulasse, où tu t'essouffles pour faire 6 mètres. Ça te fait des fourmis dans les pieds quand tu roules dessus. Bon, vraiment, c'est horrible. T'es arrivé? Bon, le Nathan, on l'a rejoint là. Là, on est arrivé, on va découvrir le truc, le parc. T'as vu comment? Gael. Gael, bah Gael, lourd. Il y a un petit spot de 4 marches, on va se mettre dessus là avec tous les gars. Ouais, mon gars, là t'as l'air de tryhard, non? Allez, faut que je me mette. On est en fin de journée, on a bien skaté, on n'a pas trop filmé pour l'instant parce qu'il y avait du monde. Là ça se vide un peu, du coup voilà, on va record un peu. Cyril, tu veux filmer une line sur ça? My money is my company, so I don't need a loan. I'm stubborn on these fake rappers, no Adidas on. I run the R.A.P. game on. Now listen, my flow is silly, so illy. They call me really nilly. Ain't kidding, no killy. Hip hop at me like a billy. Going any for the killy. Spitting chili, fire chili. Yo, Weezy, where's my dilly? Cause I'm trying to make a billy, feel me? Did you get that? I'm a chill dude, welcome to the kickback. Acrobatic flow, homie, let me flip that. Call you got banana, baby, the way that I split that. Look, I got a coastal flow. I'm the reason why the hoes are so emotional. Niggas looking at me like I ain't supposed to blow. But I'm the image of how the game is supposed. Yeah, I know, I still got it. Ouh!
rêvé, gros. On est en fin de journée, les gars. J'espère que vous avez kiffé la journée. On se retrouve pour l'épisode 2 la semaine prochaine. C'est parti. On est les prisonniers. Là, je déconne, on est avec vous encore, les gars. Il y a Nathan qui est sur le flip là. Putain, de coucher de soleil à Gargan. C'est de l'équipe des éducateurs. On est les prisonniers de la cour du collège. Sortir zoné, non y'a la pionne, c'est la connasse. Dans 10 années, j'écrirai un morceau comme As. Roule à Camas, voilà ça commence. On est les prisonniers oui de la cour du collège. Sortir zoné, non y'a la pionne, papa, c'est la connasse. Ouais, c'est prisonniers, j'écrirai un morceau comme As. Quel bail. Comme t'as dit, il y a un extension. Quand tu traînes en arrière, ça s'arrête vraiment à mais monter ouais dans une montée. Genre. C'est un truc de malade. Hein. Ah ouais, il est à l'aise. Ils nous prennent pour des sauvages externes. Ah, mais je dois tellement te rigoler ici. Je vais mettre son front du coup sur les quatre, comme ça je te le filme. Nathan il est die frère. Allez petit grind mon gars. Hihi. Les images elles sont tellement dark mec. Le ref Lucas nous a demandé un peu de wax. Du coup on lui a filé la petite wax. Merci skateboard. Bon les gars il n'y a plus beaucoup de soleil. Là on va essayer de mettre une line de la muerte. Allez full speed pour me. Est-ce que je me chauffe pour le bord side ou pas? Faux? Ouais, faux. C'est ouf ce parc les gars. Venez hein. On a surkiffé ce skatepark les gars. Là à la fin en plus dès qu'il y avait moins de monde on s'est vraiment libéré. On va un peu se poser vite fait histoire de décompresser, faire une pause parce qu'on a fait que skater aujourd'hui. Ensuite on va aller dans un bois plus loin. Tout va prêt pour le camping tout ça. En tout cas il y aura d'autres sessions demain. C'est pas fini le skate donc reste dans la vidéo mon ref. Oh là là on est en train de galérer les refs. Gros t'as trouvé un petit spot là? Gros t'es ma frère. C'est magre, on est yo. Putain, c'était pas une galère, on était dans les bois là, il y avait full ronce et tout. On cherchait, mais alors que ça existe déjà ce qu'on cherchait, regardez, on arrive comme dans un hôtel. Bah ouais, un petit banc, on est carré. On va aller faire une corvée de bois là pour aller chercher. Grosse corvée de bois, mais fort. Comme ça, on va se faire un feu pour toute la nuit. Bon, les gars, là on se fait une grosse corvée de bois pour le barbecue. Après, on va se poser pour dîner. Du coup, là, je vais aller chercher du bois, les refs. Là on est yo les gars. Ça c'est toujours réconfortant mec, c'est tellement bien mec le feu gros. Bon voilà le feu il est parti les gars. Là les doses, on va se prendre petit saucisson, petite binouze, petite chips. Cette nuit il va pas pleuvoir en tout cas, on a regardé. Il va faire 3 degrés donc on espère qu'on va pas avoir trop froid. On attend qu'il y ait des braises pour faire le petit barbecue. Bon là le 6 il a fait une installation du turfu là. Et là il y a le feu pour s'éclairer comme ça on n'a pas obligé de mettre les flashs et de la batterie. Plus en mode braise pour faire cuire des trucs. On a le feu de la lumière et là
on a lancé des petits poivrons et un petit camembert aux herbes. Est-ce qu'on lance pas les saucisses d'un côté genre? Ah ouais, comme histoire ça on va avoir un peu de tout parce que les oignons, les pains de. Ouais, on les prend après, vas-y. Vas-y. C'est fin. Ah là là, quel bail. Plus ça, on a pris des bonnes saucisses là, on a pris aux herbes et tout. Le petit camembert fondu aux herbes. C'est une dinguerie, gros. T'as dit qu'on avait trop de pain, mec, avec tous les sandwichs qu'on va se faire, frère. Un peu de sauce algérienne. Normal. Tu veux pas de poivron, du coup? Ah, bah si. Avec du cheddar fondu comme ça. Gars, ça, c'est vraiment de la frappe. Gars, là, on a graille. Il y a cool. Nathan qui est parti, du coup. Ouais, Nathan, il s'est rentré. Là, on va se faire un petit café. Petit café, après, on va se coucher. On va regarder les rushs vite fait, je pense. Comme ça. Santé. Voilà, tiens, mon gars. On dort comme as là. Moi j'ai un jogos. Regardez, on dort sur nos affaires là, pour pas qu'on se fasse voler. Regardez, on garde les manteaux, on est yo. Je pense que ça va être le dernier plan de la soirée parce que vas-y, nous on va se poser un peu. Donc demain matin, à la recherche, je pense. Hein. Tester le parc tant qu'il y a personne. Donc voilà. Il y a petit update, il est 4h du mat. Ça a dodo un peu. Là on se réchauffe, on a relancé le feu. Mais vas-y, en vrai ça va, il fait pas trop froid non plus en vrai. Yes les refs, on doit pas avoir une trop belle gueule, mais en tout cas on a bien dormi. Incroyablement on se réveille, il est 9h. Et du coup on va se faire un petit feu, café, et ça va aller skater les gars. Si t'as bien dormi. Ça va tranquille. On va se prendre le petit déj là. Ouais gros, on va faire du café. En tout cas c'était une bonne nuit, il a pas fait froid du tout. On fait vraiment SDF là hein. En vrai on est des baroudeurs les gars. Franchement c'était pas la pire nuit hein. Alors, au petit déjeuner, on vous propose un petit café, du jus d'orange, avec du pain au Nutella, les refs. J'espère qu'il y aura des gros tricks, hein. Pour l'instant, j'en suis pas persuadé. Hein. Oh, les gars. Bon, bah, les gars, c'est parti. Hein. Go au skatepark d'Achère, du coup. Ça fait plaisir d'être dans une go. Ah, de ouf. On est arrivé au skatepark d'Achère. On va vous faire un petit tour du skatepark. Et puis voilà, on va prendre les skates. Hop là. Ah, déjà, il y a un petit bol beaucoup plus gros que celui qu'on était hier. Donc là, on a une partie bien engagée, les gars. Avec des curbs, des rails, des marches. Le manual pad, il est archi cool. Le curb aussi. T'es mal le curb là. Il est pas fou le curb là. T'as vu là, les 4 marches, elles sont un peu plus engagées qu'hier. T'as les curbs là qui sont prenables. Beaucoup moins hautes par contre. Et mec, ça, t'as vu? Celle-là, tu peux large la taper, hein, puisqu'elle est moins haute qu'hier. Là les gars, échauffement il est obligatoire. Les bras, là, il y a pas grand monde en plus. Moi je vais m'échauffer sur le curb là. Ça va ? Bon, l'échauffement se passe bien. Je vais faire le rail en descente vite fait. C'est compliqué le ref, hein. Quand tu prends une tôle, ça te rappelle la nuit. Hein. T'as une line à proposer ou quoi? Ouais. Petit gap et tout, t'as trouvé un petit gap sympa, c'est elle. Bien vu, mon gars. Oui, ça va, frère? Ça va. J'ai pris une méchante slam, tout à l'heure. Après une nuit passée dans la forêt, c'est pas évident de se chauffer. Oh là là.
On vient de sortir la vidéo là. Check les comments. On a bien chargé hier, on a skaté genre de 11h à 18h30. Bon l'équipe, c'est ici que s'achève le skate trip. Il est 13h le lendemain. On a préféré rentrer chez nous parce qu'on était fatigué, on prenait peu de plaisir même si on était dans un skatepark de ouf. Et surtout pas envie de se blesser, donc pas envie de faire d'autres spots. Si ça vous a plu, on fera ça dans des villes plus grandes, je sais pas, Reims, Bordeaux, Lyon. Et là, à ce moment-là, on pourra faire beaucoup plus de street et ça sera hyper cool. Et n'hésitez pas à aller sur Insta pour participer au concours grâce à Merci Skateboard. Yo les gars, c'était Chine Info.